Ok, salut à tous, c'est Vindicaire et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Ghost of a Tale. Alors, you stood before the Baron, your wife Mera, at your side. He did you play the poisoned cup and you knew then this was not for this amusement, but a test. And so play you did, but from Mera there was only silence. And the look of such defiance. He moves to strike her, the Baron, and you cried out and went to her, and then darkness. How many days have passed since then? In your heart, you know she is still alive and that you'll one day find her. Until then, all you have are these flowers, your memories of her, and a question: why? Donc, alors pour ceux qui comprennent pas, comme toujours, je vais essayer de traduire de façon résumée. Donc, alors je sais pas s'il parle exactement du rat ou si c'est un conte qu'on suit en même temps, parce que je ne sais absolument rien du jeu, si ce n'est que j'ai adoré les screenshots de voir cette petite souris comme votre personnage principal. Donc, il parle de lui et de sa femme. Donc lui, je ne sais pas qui c'est, si c'est le rat ou si c'est autre. Qui s'appelait Mera et qui ont été conviés à faire une autre présentation de la coupe empoisonnée au baron. Donc lui a commencé à faire jouer son instrument, sauf que sa femme est restée muette et le baron s'est senti offusqué, donc il a frappé sa femme, lui a essayé de s'interposer et les ténèbres. Il ne se souvient plus, il a juste la conviction dans son cœur que sa femme est toujours en vie quelque part. Et maintenant, tout ce qui lui reste, c'est ses fleurs qui sont des morceaux de la mémoire de sa femme. Voilà ce qu'il en est. Par ailleurs, pour la petite histoire qui était indiquée au début avec l'histoire de la flamme verte, donc la flamme verte apparemment était une chose sans aucune raison, qui ne faisait qu'avancer et consumer, et à chaque fois que... Elle avance, enfin, comme elle a commencé à beaucoup prendre d'importance, les créatures se sont liées contre elle et l'ont combattue, et une à une ont été défaites. Seuls les rats sont restés et ont réussi à éteindre la flamme. Et apparemment, ce que faisait cette flamme, c'est que bah, quand elle battait une créature, c'est-à-dire quand elle la tuait, la créature après revenait à la vie sous la forme d'une espèce de créature décérébrée. Donc je pense qu'il parle d'un zombie, une forme de zombie. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son? Je veux pas non plus que ça empiète sur ma voix, mais quand même. Oh, il n'y a pas de musique, d'accord, c'est pour ça. Ok, bon, on verra si jamais on refera des ajustements. Alors. Voilà. Par contre, la profondeur de champ est un peu bizarre. Est-ce que c'est moi qui ai... Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Non, ça change rien. C'est un peu la phase réglage. Voilà, c'est ça. C'est le profondeur de champ. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Regardez comme il est mignon. Donc je pense que c'est quand même lui, hein, dont il parle, puisque manifestement il a il joue avec sa queue. Manifestement il a un pompon de saltimbanque et il a sa mandoline. Donc je pense que c'est bien de lui dont il est question. Alors il faut que je trouve la clé. Oh, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Il part. Oh, donc il faut se nourrir pour manger. Alors, you can... Oh, mais il y a un inventaire et tout. C'est RPG. Excellent. Ok, alors... Food. Ah. Et ben voilà, j'ai récupéré toute ma vie. Donc, il doit y avoir une clé quelque part. Des shrooms. Ok, j'ai chopé des champignons apparemment.
Un pot de chambre. Ah oui. Ah, c'est vide. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être plein. Un bassin. Ok. Apple core. Un trognon de pomme. Ok. Est-ce que je peux éventuellement. Yeah! Une rose. A new page has been added to your flower book. Ok, donc j'ai un livre de fleurs, très bien. Books. Book of character. Minstrel! Le ménestrel. Ok. Songbook. Ah, c'est la coupe du poison. Donc effectivement, c'est bien au rat que c'est arrivé. Bon, je vais pas lire tout le conte. Le livre de Mera. Et donc là, j'ai une deuxième passe. The last village lay 2 days past and you sensed Master Lerin would not survive long enough to reach it. So you led him in the handcart and buried. Ok. Ouais. Bon, rien de très important si ce n'est qu'il se lance dans un. Qu'il entreprend un trajet assez long, apparemment, et que une des personnes qui les accompagne, apparemment, ne fait pas. N'arrivera pas à le mener à bien. Parce que trop blessé ou mauvaise santé. Ok, bon, je pense qu'il faut dormir, tout simplement. Ah, bah non. Ok! Donc il doit bien y avoir une clé à trouver. Ah. Réfléchissons. Ah, mystérieux message. Oh, c'était sous le pain. Donc trouve-moi, couvre tes traces et bouge sans être vu. D'accord. Yay! Je fais sortir. Ok. Est-ce que j'ai trouvé Est-ce que j'ai trouvé un truc de meilleure qualité? Putain, il y a des skills! Il y a même des points sur le lore, mais c'est génial! C'est vachement complet! Alors, Klaus. Ah, c'est vachement moins bien. Il y a les stacks qui changent en fonction de ce que je porte. Alors, name Tilo. Ah, bah c'est. Ah, d'accord, je suis Tilo. Profession ménestrel. Acte de sédition. Donc je suis Tilo le séditieux, que j'adore comme il regarde. Ah! Ah! C'est trop chou. Alors, vous avez attiré l'attention d'un garde. Vite, allez dans le coffre et maintenez clic gauche et clic droit pour vous cacher. Ne pas oublier que vous pouvez vous cacher dans de nombreux objets. Donc il montre effectivement pas mal de trucs dans lesquels on peut se planquer. Oh, c'est un rat. On dirait presque une vermine de choc. Salut. Ok, on va faire une sauvegarde rapide puisque c'est proposé. You can run really fast on all fours. Hold left shift to sprint. Ah, c'est trop chou! Un petit bidon. Chest. Ah. Oh, bonjour. Une grenouille.
Ah, dégueulasse. Alors, la vieille grenouille pirate. Ferret's balls par les couilles de Ferret's. What do you think you're doing, you see? Bargaining into my cell and anything? Do you know who I am? Non, je sais pas qui t'es. Enfin, apparemment un vieux pirate, mais. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire, Moussey, c'est. On dirait Micella, c'est petite souris, quoi. Bargaining to my cell, traînant dans ma cellule de façon non désirée. Enfin, t'es pas invité, quoi. Est-ce que tu sais au moins qui je suis? Ça a pas l'air. Parce que j'en ai aucune idée. Ok, donc lui non plus. Tu te souviens pas de ton propre nom? Non, attends. Kerold Red Whiskers. C'est ça. Kerold Red Whiskers list. I was the navigator of the Lake Witch under Captain Otto Powderkeg. D'accord. Donc il était le navigateur du navire La Sorcière du Lac sous la commandanture de Otto Powderkeg. Donc tu viens me détrousser, petit Scrant. Bah non. Deux choses que je peux pas supporter, l'odeur d'une souris et l'odeur du mensonge. Va te faire foutre. Qu'est-ce qu'il m'en coûtera de faire en sorte que ta puanteur se barre de ma cellule là? T'es pas sympa! Dis-moi, est-ce que c'est toi qui m'as aidé à m'échapper de ma cellule? Qu'est-ce que te répondent ces chaînes? Est-ce qu'il se semble que je puisse t'aider à t'échapper? Je sais pas. Ah! S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. C'est vrai ça? Et qu'est-ce que j'y gagne? Peut-être que je peux trouver les clés qui permettent d'ouvrir tes chaînes, te libérer. Libre ? Pourquoi est-ce que je voudrais être libre ? Ok, donc être libre, c'est ce qui m'a mené à être ici. Et, accessoirement, ce qui concerne la piraterie aussi. Enfin, c'est plus le fait d'être pirate, quand. Non, j'ai tout ce que j'ai besoin ici. De l'air vicié, toutes les mouches que je peux manger et mes propres excréments. Ah, t'es dégueulasse. Mais il y a quelque chose. Ah. En bas du corridor, le garde endormi. J'ai besoin que tu l'étrangles. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il m'a appelé un pirate. Mais t'es un pirate. Mais, bah oui, c'est ça justement la réponse. Bah, t'es un pirate. Ouais, et fier de l'être. Et bah alors. Mais c'était la façon dont il l'a dit. Comme si être un pirate était un crime. Bah, c'est un crime. Ouais, c'est vrai. Et je suis pas gêné de le dire. Alors pourquoi tu veux que je le tue? Parce qu'il m'a appelé un pirate. Mais t'es un pirate. Fier de l'être. Ok. Ok, ouais, on est en train de tourner en rond, là. Exactly, exactly. Non, je suis pas un meurtrier. Très bien. Pourquoi ne volerais-tu pas, à ce moment-là, sa bouteille de Rotbut? For me, then, and I see. Donc, est-ce que tu pourrais... alors, what's good? Est-ce que c'est un jeu de mots ou c'est une contraction de Rotten Guts? Rotgut? Parce que Rotten Guts, ça veut dire entrailles pourries.
Donc oui, ça pourrait être un nom d'alcool, quoi. Rotgut. Ok. Très bien, donc il faut que je lui vole sa bouteille. Et... ah! Eh! Une grosse punaise. Faut la prendre? Yeah! J'ai une grosse punaise, c'est dégueulasse. Ouais, dans le caca, dans le caca, dans le caca. Wouh! Oh. Alors, par là, je suppose que je peux pas aller, il me faut une clé. Oh, c'est très sombre ici, donc il va déjà me falloir un moyen de m'éclairer, je suppose. Des graines. Un bâton. Alors, un bâton... D'accord, donc je peux l'utiliser comme une distraction en le faisant craquer. Ou je peux également l'utiliser pour atteindre des objets en hauteur. Les faire tomber. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire tomber quelque... quoi, ça... Ah oui, déjà. Pour l'instant, je sais absolument pas si je vais m'en servir de ces trucs. Mais bon, comme dans tous les RPG, je ramasse absolument tout ce que je trouve. Je suis un vrai aspirateur. C'est pour ça que je ne ferai jamais de vidéo sur un truc genre Skyrim ou... Fallout, parce que je pense que ça serait 90% du temps moi en train de ramasser des trucs. Une blatte! Oh! Donc ça fait du bruit. Yeah! Shroom. Est-ce que l'autre garde elle est là ou est-ce que c'est le garde? Il y en a un Jay Master Key. Ok, donc il me faut la clé. Les mètres, 2 mètres. Est-ce que je peux marcher? Ok, c'est ma réponse. Ah, il est trop chou! Avec la physique de ses petites oreilles qui brinque-ballonne partout, il est trop marrant. Alors. Je vais pas tout de suite aller là, je vais d'abord voir ce qu'il y a de ce côté. Donc rien, plus rien. Plus rien. Eh ben voilà une bougie. Oh. Une geôle à part. Ah. Donc la clé de la cellule. Inondé. Est-ce que c'est des genres de cellules thématiques pour telle ou telle créature? Genre des biomes pour chaque cellule. Entre guillemets, biome, bien sûr. Je sais absolument pas à quoi servent tous ces insectes. Mais bon. Ok. Donc j'imagine qu'il faut surtout pas toucher les bouteilles parce que ça va faire de la merde. Ah ouais, mais elles sont vides celles-là. Je veux une pleine, moi. Est-ce que ce serait... Ah, je peux brûler les bannières, d'accord. Ah bah voilà! J'ai ce qu'il faut pour notre copain grenouille. Alors. Coucou. Mais non. Fusil à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Fusil animus. Manque de courage. Ok. Tiens, la bouteille. Arrête de dire de la merde. Alors, ok, donc il veut que je vienne à boire.
je fais ce que t'as demandé. Est-ce que tu m'aides? Je t'ai donné ma parole en tant que pirate, mais je suppose que je peux faire une exception. Je répondrai à quelques-unes de tes questions. Qu'est-ce que tu veux? Alors, ah bah si, c'est quand même sa femme, c'est Mera quand même. J'ai été ramené ici seul, elle était pas là. Combien de temps ça fait ici que je suis. 10 days now since they brought you. Ok, donc je suis considéré comme mort à l'extérieur et ça fait au moins 10 jours que je suis là. Alors, do you speak mouse? T'es con ou quoi? Je suis en train de parler. Alors, le dwedling I'd skip on the shore of Lake Bael. C'est tout, tu m'as rien dit, effectivement. Do you think you owe me at least something? Not strangling. Ouais, va te faire foutre. Ça, je sens que c'est un piège à la con. Il me dit, regarde derrière moi, dans mon pot de chambre, il devrait y avoir quelques florins à l'intérieur. Donc effectivement, ma question c'est, pourquoi est-ce qu'il y aura du florin dans un pot de chambre? Ok, sa réponse c'est, pourquoi? Bah, parce que je vais pas les tenir toute ma vie. Ok, bon. On lui fait confiance et on va voir dans son truc ou il y a rien dedans. Ah putain, si, il y a des florins. Ok, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, reprenons. Donc le garde a toujours la clé. Donc on va voir ce qu'il y a dans la chambre après le garde et puis après on va essayer de voir si on peut piquer la clé au garde. Il sera pas forcément facile. Ah, oh, c'est fermé. Donc il me faut vraiment la clé du garde. J'ai peur de me faire choper. Je suis une petite souris. J'ai peur des grosses... des gros rats. Oh, je l'ai. Partir discrètement sans renverser de bouteille. Ok. Yes. Ça devrait le faire. Ah, des bougies allumées. Ah, je peux pas les prendre. Ok. On va sauvegarder. Oh merde. Ah, ils sont vraiment des sales têtes. Mais dis pas que tu vas rester là.
Non, cache ta tête, s'il te plaît. Oh! Je suis censé faire quoi avec ça? C'est énorme. Oh! Non! Allez! Allez! Non! Pose ce truc! Non! Non, je suis pas là-dedans. T'es méchant! Allez, bouge. Ouais. Ouais. Ouh. Oh, il faut trouver une clé pour ce truc. Ah! Ah! Non! Non, connerie! J'ai pas vu s'il a une clé, lui, à sa... Ah, des cartes. Je peux pas prendre ça. Ah. Va-t'en. Alors, comment je fais pour m'équiper d'une chandelle? Et ça marche. Ok, donc il faut que je brûle ces choses. D'accord, 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 d'accord. Donc là, il me faut une clé que je n'ai pas pour l'instant. Pas de clé à sa ceinture, lui. Est-ce que son pote qui dort a une clé à sa ceinture? Ah, donc c'est comme ça le jeu, on peut quitter les zones et tout, mais apparemment il y a des choses à voir dans chaque zone. On n'est pas obligé de faire un fond en camp, mais... On va faire une vraie sauvegarde. Oh! D'accord, je peux que sauvegarder quand je suis en sûreté. Ok. Donc ça, je peux l'ouvrir ou pas? Ok, il me faut la... D'accord, donc c'est pas fini. C'est pas fini du tout. On va aller par là.
Moi je fais pour. Comme ça, j'imagine. Ok. Le drawbridge mechanism est très sensitive. Ok. Comme on a vu, c'est très sensible. Il suffit de balancer un truc dessus pour que ça fonctionne. Je peux. Non. Alors. Je gagne des points. Je sais pas à quoi ça sert, mais je gagne des points. Oh, une lanterne. Encore mieux ça. Oh, il y a même une mécanique pour remplir la lanterne d'huile. Il est super ce petit jeu. Ah. Oh merde. Un autre marché. Ah oui, là-haut. Lui, je pense que je peux l'assommer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Et bim! Oh, c'est que temporaire. C'est que temporaire. On se dépêche, on se dépêche. Pu ouvrir l'autre pièce du coup. Oh merde. Chaud, 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 cacao. Du fromage. Alors, when you pause the map on the current location, look and hold M to. Oh, donc on peut trouver la map de la zone dans laquelle on est, d'accord. Willem's to spirit of chase. Ouais. Bon, ça n'apprend pas grand chose. Putain, je trouve plein de trucs. J'ai trouvé quoi là? La clé de quoi? Oh, la master key. Ah. Intéressant. Alors, on va sauvegarder. Et du coup, je vous propose de vous arrêter ici pour ce premier épisode. Ça me plaît bien, j'adore l'ambiance. C'est super mignon. Je pensais pas trouver un héros aussi attendrissant.
Il y va. Et il aime bien se gratter le cul en plus. Et ouh, ça. Ouh. Ça fait du bien. Ok, et eh ben on va s'arrêter là du coup pour Ghost of a Tale. Donc, ah oui, Ghost of a Tale d'ailleurs, ça veut dire les fantômes d'un conte. Et on verra ce qui va arriver à notre petite souris dans le prochain épisode. C'était Vindicare et c'était pour vous. Allez, ciao à tous et bonne soirée.